Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pharao Total War dans lequel nous incarnons Amenmes, le puissant du sud. Très puissant du sud, j'ai envie de dire. Et remettons la bonne carte. Voilà, nous sommes en pleine guerre civile. C'est compliqué. Voilà, on a un peu une grosse coalition qui nous vient sur la tronche. Voilà, qui suit le Nil et qui commence à nous arriver un peu sur la tronche. Donc, oula. Objectif, défendre tout ça. Croissance de main d'œuvre, coût de main d'œuvre. Oh. Bah écoute, on va augmenter un peu l'accélération de tout ce qui est au niveau des mains d'œuvre. Parce que c'est vrai, je galère un peu à certains endroits à avoir assez. Voyons voir. Respa risque d'être la prochaine cible de nos ennemis. Donc je vais essayer de recruter. Je peux pas. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Est-ce que je peux recruter quelque chose? Non. Là j'ai déjà. Qu'est-ce que tu peux me donner? Connexion, on s'en fout. Les tournements, on s'en fout. Ok, bon. Bon, c'est un peu galère. Bon, je peux recruter 3 troupes au moins ici. J'ai du recrutement en cours à Buhen. Mais pas fini avant 3 tours. Je crois que par là j'ai de la troupe. Oui. Voilà. La résolution automatique ici. On avait réussi à... à refaire revenir les troupes de Ramsès là qui sont là. Ils avaient pas aimé la blague et ils étaient rentrés. Alors, niveau diplomatie aussi, est-ce que je peux faire de la paix avec Sectana? On va le négocier. Franchement, Sectana, j'en ai rien à foutre, il est loin. Équilibrer l'offre, voilà. Et ça peut possiblement m'ouvrir de la paix avec d'autres. Rakotis, pareil. Hein. C'est pas lui qui a mes territoires, je veux vérifier quand même au cas où. À négocier. On équilibre. Et Buto, mais Buto, j'en ai rien à foutre. Bon, déjà, je suis en paix avec beaucoup moins de. En paix avec beaucoup plus de gens. C'est important. Ici, on va redescendre. Voilà, on va raser sur le passage. On va passer dans le fort. Il n'y a personne. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Voilà, on va continuer le siège et ensuite on descendra jusqu'à Ibu. 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 Voilà. Et la direction Kasbah. Kasbah. Pas d'envahisseur Libou, hein, j'ai pas l'air d'en voir. Ok, ça c'est très bien. Merde, il fait chier lui. Bon, je vais mettre en route ici, je vais recruter un général. Parce que sans général, ça risque de mal se passer. Ah, il y a que des troupes Libou. Ouais. Ouais. Eux, ils sont bientôt foutus. Si quelques tours, ça devrait être bon. Voyons. On va faire le tour des généraux. Manuellement, j'ai pas trop le choix. Et là, je vais envoyer. Aider, hein, parce que là, c'est un peu trop la merde. Ok, il est pas encore arrivé. Lui, il garde la frontière. Lui,
Il fait un siège, lui. Lui, il venait de se battre. On va prendre à Akner. Oh merde, il y a du monde. Pas sûr que ça passe. Ah, ça passe. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Et à mon avis, je vais avoir pas mal de pertes. We were too much for them. Là, j'ai perdu quelques troupes, quelques unités. On va occuper. On va couper ses ravitaillements, surtout. Là, c'est important. Je vais vite recruter, même si c'est de l'unité pourrie. Ça, unité au corps à corps. Ouais, on va voir où est-ce qu'on était. Oui, ça on avait dit, ok, ça on vient de bouger. Oui. Lui. Ok, on a fait la paix avec lui, je vais zapper. On va aller chercher. Ouais, mais. Là, il va sûrement tenter de venir et faire le siège. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Ici, je vais faire une embuscade. S'il attaque Ouasset, il se prendra un retour de bâton. Et sinon, j'irai direction Smava. Ensuite. Toi, ok. Toi, ok. Je t'ai joué. On est en train de recruter. Okay, tu peux pas. Ok, alors action de cours dispo. Toujours pareil. How unusual. On poste. Ah, on poste. On poste. On poste. On poste. C'est ça qu'il faut faire. Là, je crois que je pouvais. Ah, si, je peux. Non, j'ai mal vu. Si. Un logement d'infanterie, on va faire ça. Je sais pas ce qu'il faut, je sais pas ce qu'il faut. Ah, bientôt ici. Hein. Bientôt. Là, on les bouge pas. Auxiliaire. Ah oui. On prend un bouclier, prend une épée. Ça y a pas. Et hop, tiens, cadeau. Je crois qu'il y en a un autre. Un bouclier. Une épée, j'ai plus rien. Ah, des titres. Fais-toi plaisir. Mighty warrior. To victory. Allez. Voilà. Courage is everything. Bon, le tour qui devrait piquer un peu là. J'ai peur de ce tour. Vraiment que je me débarrasse de Nebu. Nebu là, il commence à me... Mon gonflé là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Ramsès et tout là. Oh là là. On va peut-être faire un siège là. Ce serait bien qu'il fasse un petit siège là. Je ne veux pas faire le siège à Ouasset. Il n'y a personne, regardez. Oh. C'est-y ? Ils ont rien à foutre de Ouasset. Hein. C'est dingue. Si ? Ah. Voilà. Bon là ils vont essayer de passer. Ah, il a des chars. Ah. Pourquoi j'ai encore pas de garnison? C'est quoi le délire? Je comprends pas. J'ai un char aussi, attendez. Mais attends, vraiment pourquoi j'ai... Pourquoi ma garnison est dans un état lamentable? Quelques tours quand même que je les ai les villes. Putain, les garnisons pourries. Hein. Ça me gonfle et sur ce système là. Après, j'ai un général en plus. Je vais essayer de la gagner. On va essayer de la jouer manuellement. Enfin, je vais la jouer manuellement. On va essayer de la remporter. Ils sont pas très nombreux.
L'avantage que j'ai. Je pense avoir moyen de la tenir. Je pense avoir moyen de tenir ma position. Ils sont où? Ok, ils sont tous là. Impeccable. Donc. Ils ont pas de formation. Oh, tiens. Formation de pique. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça fera ça. Bon, on les met en première ligne. Avec leur formation de pique là. Et là on se met derrière en mode bon bah soyez prêts à tenir le plus possible mauriturité salutant comme on dit. AV César. J'ai... Ah non j'avais pas mis... tiens. Bon j'ai quand même 2-3 généraux, pas mal de troupes qui vont venir en soi. Et mes renforts ils viennent d'où? Oh putain ils viennent vraiment d'opposer quoi. Bon. Alors vous rouliez à fond là, alors vous galopez là avec vos chars là. Je sais pas par où tu peux passer mais passe. Allez plus vite que ça. Bon la vraie question c'est est-ce que ça va passer ou est-ce que il va pas charger avec... Moi qui charge avec ses troupes là en premier là j'ai fait ma formation de pique là. Oh, oh j'aime bien par contre la portée là. Moi je suis agréablement surpris par la portée. Oui pour une fois il n'y a pas de tempête. Ouais. Ils font feu. Alors. Et désactiver le mode escarmouche. Déconner non plus. Hop, les frondeurs sur les frondeurs. Et toi sur les frondeurs aussi. En vrai sur le général. Ok le mien arrive là, justement on parle en général. Il a perdu quelques, un peu d'une défense, il commence à être un peu abîmé. Et il va charger la les piques. Bon, les piques après. Ouais. Bah super, hein. Pas très efficace les piques. Ok. Terrible, hein. Pas terrible du tout. Ah ça y est, ça commence à faire mal. Ils ont perdu leur armure. J'ai mon général qui arrive. Changement de cible, eux ils vont se barrer là. Ils vont bien se barrer. Les archers conscrits, normalement ils devraient pas trop reconstituer. Hein, pour lui laisser l'espoir, hein, on va faire tirer sur les épéistes vétérans. On a la position. Là on a fait une bonne charge là sur les archers conscrits. J'espère que ça va être efficace. Pour l'instant ça l'est un peu. Ça va. C'est pas non plus formidable mais ça va. Ouais si il y a les bonnes pertes là maintenant. Oh si là ça va. Le garde, il est en déroute, le général ennemi. Très très bien tout ça. En plus on lui tire par l'arrière là, c'est impeccable, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Face me.
Non, il se reconstituera pas, je pense. Et là, on va charger un petit coup, là. Coucou, non, on va même pas charger, hein, finalement, regarde. Juste à se mettre là, envoyer un maximum de projectiles, on a toujours notre petite unité de sprinter qui tient. Ils tiennent, je sais pas trop comment, mais ils tiennent. Là, ça, c'est en train de tomber, ouais, ils sont en train de... On les tire par l'arrière et tout là. Est-ce qu'en général il est vivant? Il n'a pas l'air hein, pour le peu d'unité qui lui reste. Ok. Ils sont attaqués par l'arrière et tout. Changement de focus. Oh putain, y'a plus de munitions. Là, ça fuit, hein, c'est très bien. Il est encore vivant. Non, c'est vraiment le général là. Petit problème avec une flèche là. Vous la voyez la flèche, mais. Allez, on va charger là, ça devrait. Annihiler leur le peu de morale qui leur reste, puis ils sont fatigués et tout. Hop, là on met halt, je veux plus qu'ils tirent, sinon c'est mon général qui va prendre. Ok. Ils ont une troupe qui tient à peu près. Voilà, il n'y a plus de troupe qui tient. Donc ce que je fais, c'est que hop. Je retire mes chars et je vais mettre le feu à volonté là dès que. Dès qu'on sera plus au contact. Là, parce que... Moi, je vais avoir des pertes pour pas grand chose. C'est quand même dommage. On a activé le feu à volonté. Encore, 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 mais non, pas trop fois. C'est un ratio entre pertes et. Mais forcément ça tire là. Vous voulez pas tirer là-bas où il y en a un peu plus? Alors juste pour la blague quoi. Bon, allez on accélère. Je perds des unités, mais bon qu'est-ce que vous voulez hein. Au bout d'un moment quand un jeu est mal fait, on laisse passer. Quoique j'ai pas encore eu de perte là, c'est bizarre. Je vais aller chercher là-bas là et... Ils arrêtent pas de me coller là, je sais pas ce qu'ils ont. Voilà, prenez-vous des bonnes pertes là. Allô? Bah. Bah les mecs, au bout d'un moment quand même, faites semblant quoi de poursuivre quoi. Vétérans, ouais, on va poursuivre les vétérans. Ils sont plus dangereux les vétérans que le reste. Ils ont vraiment munitions infinies, j'ai l'impression, les machins. C'est dingue. Voilà. Là-bas, je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps. Oh, si. Déjà, on est déjà à portée, quoi. Oh, la vache. Voilà. Vengeance, vengeance. Et on était donné perdant. Voilà. C'est ça qu'on aime. Défaite, beaucoup de pertes. Je sais pas s'il a encore envie lui, mais il lui reste pas grand chose. Hein. Perenna, bien joué à toi mon ami. Tu as su résister à l'envahisseur. Ah, Diamep. Ah, il est pas mort le général ennemi quoi. Deux survivants c'est lui. Ah, c'est terrible. Bon allez, reconstitue nos unités là. J'irai le chercher hein, franchement. Bon c'est qui? Encore? Qu'est-ce qu'il fait?
Il sait pas ce qu'il veut. Lui, il rentre chez lui. Nebu, il va vers le sud. Ouais. Ah, ça, c'est chiant. Là, par contre, la défense, elle va pas être... J'ai un char, j'ai pas de char. Il y a trois chars. Ah, il y a des bons archers, en plus. Après, j'ai de la garnison qui, cette fois... Ouais, mais non, il va pouvoir attaquer à deux points différents. Ça va dépendre du déploiement. Hein. Je vais essayer de la jouer, mais ça va être tendu là. De sable. Prévision. Tempête de sable. Yes. Non, prévision. Chaleur étouffante. Je préfère chaleur étouffante. Bon. Mon objectif, ça va être de garder ce point-là. De toute façon, ça va être de retarder au maximum. Hein. J'ai quelques unités d'archers, là, qu'il va falloir que je joue bien. Archer couchiste. Ni bien. Déjà, le mode escarmouche. Arrêtez-moi de suite. Ça. Pareil. Je vais essayer de bloquer. Là, je vais bloquer là. Ça devrait passer tranquillou. Enfin, je devrais pouvoir bloquer tranquillement. Ici, j'en sais rien. Mais au cas où, je préfère garder des troupes. Et là, je vais bloquer. Donc ici. C'est pas terrible, mais c'est mieux qu'un. Avec les archers là derrière. Renfort là. Si jamais ils viennent m'embêter, on a de la troupe là qui tire du côté. Est-ce qu'ils vont passer par là? C'est un mystère. Non, ouais, mais non, mais non, mais tu mets pas les renforts là. Mais tu mets les renforts qui arrivent pile sur une troupe là, c'est dégueulasse aussi au bout d'un moment. Enfin, non, tu forges. C'est con ça. Y'a pas moyen, je peux pas changer, y'a pas moyen que je change. Hein. Bah. Bah. C'est très con ça. Bah, ils vont sortir, ils vont se faire défoncer. Grosso modo, on va pas y aller par quatre chemins, ils vont sortir, on va se faire défoncer. Voilà. Voilà. Yes, bien joué à vous les gars. Ah oh, non mais c'est... Oh, on est bien là. Ah super. Okay. Bon ça c'est très con par contre, va falloir revoir un peu le truc. Hein. Bon. Essayer de faire un maximum de pertes quoi, au moins essayer d'en tuer un maximum. Ce serait sympa. L'ennemi plus rapide et plus puissant en proximité, bah il y en a surtout un peu plus hein. Ah, ils vont pas déjà fuir. Tu parles d'un général toi. La fiole, une lopette. Ils ont le guerrier au képèche, hein, la vache. On a un placement de merde et en plus une tafiole. Super. Ah, ils ont l'air de vouloir passer par là. On va vite se bouger. Pardon, il est à la portée avec ses chars là. Il y a une tempête de sable. Oula, il y a peut-être un petit bug là. Tempête, les chars qui ne prennent pas en compte la tempête de sable apparemment. Non, bon, il passe pas par là au final. Et on
peut-être vouloir passer par là, ils ont peut-être vu là le passage, je vais bouger mes troupes. Après, faudra se grouiller mon ami. Hein. Là, il y a déjà des troupes là qui arrivent. Hein. Qui veulent prendre le point là. Je m'en fous un peu. Je crois que c'est légèrement bugué. Hein. Est-ce qu'ils sont bien en formation mur de lance là? J'ai pas l'impression. Hein. Là, ils y étaient pas du tout. Hein. Allez, fais volonté les mecs. Même la tour elle veut pas tirer. C'est... Modou... Non mais on va pas s'embêter quoi. Elle met en des boucliers là. Yes. Bon, ils arrivent fatigués quoi. Ouais, mais là, regardez. Tirer dessus par l'arrière. On va aller choper, hein. On va leur faire peur. Comment ils peuvent passer comme ça sur le côté? Non, mais sérieux, au bout d'un moment, faut arrêter la connerie aussi là. Des troupes quoi, je sais pas, faut les agresser un peu là. Tempête de sable là aussi. Bon là au moins je chopperai des... Je vais lui faire mal là avec ses unités à la con. Hein. Hélas, je vais perdre un point. Là, il va revenir ses autres troupes qui sont arrivées. Ouais, mais là, ça a pu. Hein. Bon, bah, on va accélérer tout ça. Parce que là, même eux, ils veulent pas mourir. Quoi. Vous êtes tués les mecs un jour? Ou vous en battez les couilles? Ils s'en battent les couilles, hein, j'ai l'impression. Mais faites feu au moins là-dessus. Pas l'impression que ça tire des masses. Hein. Bon. Là, je suis en mur 2, en position défensive, ça devrait tenir un peu, non? Allez, tirez-moi là sur ce général, là, on en veut pas. Là, je me fais attaquer par l'arrière. Donc c'est foutu. Ouais, si j'ai réussi à avoir un de ces généraux, pardon. Ah, ça y est, il fait beau. Maintenant que je suis au corps à corps, il fait beau. Yes. Oui, non, peut-être. Toujours pas. Bon, on va pas le tuer, hein. Mes unités, j'ai 5 unités d'archers, hein. Elles tirent moins qu'une seule de là-bas. Ils me tirent plus, hein. Y a pas de problème. Hein. c'est pas grave. C'est pas grave, on a un front qui est plus faible que les autres. Le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de troupes, donc il peut pas les garder.
va pas garder ses terres. Et il va pas pouvoir garder assez de territoire. Et je vais pouvoir lui récupérer. Et moi, il me récupère pas des territoires spécialement importants là où je vais lui en récupérer des territoires importants. Et ça va pas lui faire du bien. Voilà. Donc, ici. Résolution. Mais non! Attendez. Je me suis juste trompé de bouton. Je me permets de, voilà, de reprendre le début du tour, sachant que c'est vraiment le début du tour. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on reprend le coup. On recrute les unités. On rase. Voilà, on rase. Voilà. Et on va arriver sur sa capitale. Attends. On va raser ça aussi en passant. Là on prend une troupe aussi en passant. On utilise reconstitution toujours parce que là on n'a pas de reconstitution chez l'ennemi. Et on fait le siège de Yibou. Ici, on va aller chercher le bronze. Et il y avait déjà trop en défense, ça. J'occupe ou je rase? J'occupe pour l'instant. Si jamais je vois que ça craint, je le raserai. Ok. Un par tour? Ah ouais, c'est moche. Ouais, c'est très moche là. Bon, là j'ai pas de quoi. J'ai pas de défenseur. J'avais pas de défenseur par là. Hein. Hop, on fait le siège ici. Ici, il a quoi? Ici. J'ai peut-être moyen de le finir avec une troupe. Hein. Oui. Voilà. Miséricorde, voilà, il sera content d'une heure. Dark Magi, ok. J'avais mon Ahmed Mess. Voilà. Seti, je vais tout faire pour aller lui récupérer là ce que j'ai perdu. Direction Théba. Tiens d'ailleurs. Je vais passer par là, ça me permettra d'aller plus vite. Je vais économiser également du temps de. Le voyage. Lui il est bientôt foutu. Bon, voyons voir. Do not be distracted by my imperial grandeur. Attend to your duties. Oh lâche. On perd beaucoup de nourriture là, on a perdu des sources de bouffe en même temps. Même d'attrait. Hein. Hop là. Hop là-dessus. Voilà, comme ça on aura ce qu'il faut. Ah oui. Ici, je voulais faire une embuscade, mais ils ont fui. C'est lâche. Bon, je vais aller m'occuper vite fait de. Je vais m'occuper d'eux là, vite fait. Action bouton.
Ouais, c'est les derniers. Bouto. De Bouto. Bouto. Bouto, tout simplement. Yes. This land is mine. Death to my enemies. Oui, je peux augmenter ça. Ça, j'en ai rien à secouer. Ça, on verra. Non, même ça, j'en ai rien à secouer non plus. Voilà. Et normalement, diplomatie. For Pharaoh's glory. Avec eux, je peux. La paix avec lui et avec Bouto, voilà. Parce que les ça, ils m'ont pas pris de territoire, je leur en ai pris même. Donc c'est gagnant. C'est Bouto, ils ont des troupes là-bas. Oh, rien à foutre. Qui est Brelov? Hop, ça s'est fait. Un autre. J'aimerais bien faire la paix à Seti. Quoique il a des territoires là qu'il faut que je le reprenne. Ah, c'est le Nebu qu'il va falloir que j'aille fumer là surtout. Lui il m'a cassé les bonbons, lui il m'a rendu une force. In the name of duty. Voyons voir, j'ai une langue glacée. Ok. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux aller chercher avec lui hein? Tata, certes, mais ils sont où ces territoires? Ils sont tous là-bas, ok. On va le chasser de là, lui. Après, il y a les territoires de Seti aussi qu'il faudrait que j'aille prendre. Là, on fait un siège. Non, il faudrait que j'aille là. Hein. J'ai commencé par avancer un peu. Avec, je vais avancer jusqu'à 50%. Et je fais un campement. Je vais l'attirer. J'espère en attirer aussi sur ma tronche. Hop. Ouais, tiens, tu vas te déplacer aussi, toi. Coucou toi, en vrai. C'est bon, je peux être dissous de lui. J'ai pas trop de soucis là-dessus. Qui n'a pas bougé? J'ai fait, ouais, mais ça c'est normal. Et lui, je sais pas. Lui, c'est normal aussi. Ok. On a combien sur Bohem? Encore deux tours, putain, il a le temps de choper des terres. Surtout là, s'il s'avance par là, là c'est pas bon. Avec ses troupes de merde. Bon, logiquement, il devrait aller là. Ça fait partie de Bouhen, ça. Donc je vais pouvoir recruter en théorie là-bas. Soit j'ai déjà des bonnes unités, donc voilà, on va défendre un peu nos terres, là, faut pas déconner au bout d'un moment. Ce qui fait que là j'ai des troupes, et je les enverrai reprendre mes terres perdues. Na Nibou, oh je pourrais même aller prendre Nibou, il a l'air d'avoir grand monde dans le coin. Ok. Ramsès, que vas-tu faire? Même moi 7, je sais même pas si. Ouais, si, pour être moi 7. Il veut piller ou. Piller. Je sais même pas s'il va pouvoir se barrer en vrai. Ça avance rapide là parce que ça avance pas. Ah, ouais, si, d'accord, il a eu.
Séti qui veut faire la paix. Ouais, mais je gagne sur ce front là, donc non, pas de suite. Je vais lui en foutre un peu dans la tronche et ensuite je lui... On verra si... On verra pour une paix. Alors. Ok. Ouais, je peux aller sur des boules, hein. Shopping. Ici. Pas mal de pertes, mais on gagne. Donc, autant lui prendre. En plus, c'est un des territoires qui lui rapporte beaucoup. Là, ça va lui faire très très mal de perdre ça. Ça va lui faire vraiment très mal de perdre ça. Et c'est une terre sainte. Là, il est obligé de reculer. Là, on va bien s'approcher. On va recruter les derniers gardes royaux couchistes. J'ai pas l'air d'avoir vu de mauvaises troupes dans le coin. Impec. Ici. Résolution automatique du siège. Impec. Ouais, il a pété pas mal de trucs. Il a voulu faire de la garnison, mais moi je lui dis non. C'est pas grave, c'est pas grave. Moins 8000, non, reculé ça. Moins 8000. My time is now. On break in. You stand no chance. Voilà. De ce côté, on avance mieux. It was never in doubt. On occupe. Et là, si on regarde bien. Voilà, c'est mieux cette carte. Il y a Séti qui est là-bas. Ah bah si. Bien sûr que je vais aller chercher. Je vais chercher son dernier territoire et après je lui ferai la paix. Oh, saloperie de désert, ça fait mal quand même. Egypt is in need of governance. Let us begin. Alors, on va augmenter, hop, la taille des forteresses. Ici, j'ai pas ce qu'il faut. Toujours pas non plus. Il est encore en vie, lui. Avec ses... Comment ça, ils sont aussi, s'ils étaient un tout à l'heure? Recruter des mercenaires, je pense. Croissance, bonheur, pour l'instant, ça servira. Voilà, impec. Très bien, ça. Putain, j'en ai un à square. Alors là. What's it? J'ai ça, j'ai pas ça. Mais ça, je m'en fous un peu. Enfin, l'importance économique qui bouge. Ouais, on va aller bouger. Ouais, j'ai pas grand chose, j'ai un peu pillé. Comme c'est étonnant. C'est quoi ça? La tête de rat. Non, on va le casser, hein, il me sert pas. Non, c'est bon, lui, il gagne de l'expérience, rien à foutre, ça j'adore, putain. Voilà, qu'est-ce que j'adore ça. Hop, hop, hop.
Lui aussi, pareil. Hein, quoi? Ah, compagnon cananéen, allez hop. Toujours ça de prix. On s'entendra mieux avec les cananéens. By my divine command, let us begin our work. Ah, je croyais t'avoir joué toi. Je croyais que c'était pas ce tour là, ok. Bon. Tour suivant. Ramsès, où vas-tu? Un petit siège? Attends, voyons. Ouais, il veut tout piller comme d'hab. Bon, il peut piller, hein, franchement. Pour un peu de pierre. On est, mais alors là. Pas grand chose à foutre. Seti, ça, et puis c'est Seti en personne. On va faire une petite embuscade. Il y a un monde où ça passe. Il suit, bon, juste, juste le fumer, Ramsès, hein, puis ça. C'est Ramsès sans personne. Là. Quoi? Ouais, je, non, mais. Toujours plus loin. Hein. Ça va pas changer hein, dans les Total War. Hein. Ça va dans un rayon, mais ça calcule pas la distance, quoi. Imaginez, là, il n'y avait pas de passage. Il aurait été capable de faire. Là pour revenir là, non, mais c'est déconner aussi. Au bout d'un moment, faut arrêter la fumette. Hein. Et la fumette, c'est pas chouette. Comme ça, je suis en guerre avec eux là. Oui, et il est revenu contre moi. Mais ils vont se faire fumer. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut être con. Hein. Attends, pourquoi je suis en paix avec Taoussert? Il est où Taoussert? Non, d'accord, je peux pas faire la paix avec Toxer, ok. Seti, Seti, alors attendez, Seti, normalement, je vais calculer mon truc là. Je vais prendre sa ville déjà. Voilà. On est d'accord. Voilà, ensuite. Diplomatie. Seti. On va négocier. Voilà. Ensuite. Toi. J'ai des pertes sur la route. Oh, mais il a coupé. Quel con. Tout ça pour même pas y arriver en un tour. Oh là là. Oh là là. Non, 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 non. C'est le général qui est là. Putain. Mais genre un foot du. Et oh. Je peux pas le déplacer lui. Sérieusement, pourquoi je peux pas le déplacer? Je peux pas déplacer ces. Ah oui non, il est en recrutement, ok. Ouais, dégage. Allez. Pas le temps de niaiser. Toi, tu vas sur. Tu vas sur Abjou. Hein, toi. Tu vas sur. Neken.
Qui c'est que j'oubliais? Toi, t'as un déplacement en cours. Toi, tu bouges pas, toi. Oui, toi, on va peut-être te donner un ordre, toi. Va dans le bas, tiens, va sur Nebu, tu sais quoi. On va faire le siège, hein. Ah, t'es un peu abîmé. Une kick perte. Alors, je vais faire un repli, mais j'ai vu qu'il y a des troupes derrière et putain, je sais pas la portée. Je vais reculer juste ce qu'il faut pour être à portée de renfort. Là, je risque de pas rigoler sur cette troupe en vrai. Ouais, non, non. Ok. Do not be distracted by my imperial grandeur. Attend to your duties. Amélioration des colonies, avec grand plaisir. Et... C'est quoi là? Je connais pas. Je suis obligé de le... Oui, c'est d'accord. J'en ai un royau. C'est... J'ai pas de fort. On va mettre un petit fort, allez. Oh, attendez, j'ai quoi faire mon obélisque. Super. Death to my enemies. Ok, fin du tour. Merde, oui, je suis encore en guerre contre Ramsès. Oh, il se barre. Ouais, même s'il prend ça, je m'en fous. Franchement, qu'il se fasse plaisir. J'en ai pas grand chose à foutre. Hop, c'est-y. On s'en fout, t'as où, certes. À part me piller, c'est pas faire grand chose. Rakotis, je suis même pas sûr qu'il y ait des troupes, j'en ai vu un autre, mais je sais pas qui c'est. Bon bah on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si moi bah je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi, c'était Thiob.